Salut Internet et bienvenue à ce 17e épisode de Max et Steph jouent à The Legend of Zelda de Wind Waker HD sur Wii U. Steph, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois qu'on s'est vu? Oh my god, on est sorti de la Tour des Dieux. Oui. On s'est dirigé vers la forteresse de l'île de la désolation. J'ai failli l'appeler la forteresse de la solitude, mais ça, c'est la place à Superman. On mélange nos fandoms, on s'excuse aux puristes. Oui. Et bref, cette fois-ci, on a la Master Sword, on s'en va péter à la face à Ganon, puis on s'en va sauver notre sœur! Ok, oui. Max! Oui. Faites-leur la gueule! Je vais y aller là. Check bien. Je te check. Fait que là, on s'en va chercher Ariel après. Oui, bien sûr. Ah non, je suis pas bien en feu encore. T'es en feu, Max! Tu devrais être juste en haut. Oh, colis macabre. Ça me fait longtemps qu'on n'a pas eu un collier du bonheur. Collier du bonheur? Ben non, on en a pogné au gardien des phares. C'est vrai. Fait qu'on n'a pas besoin. Oh, goodies! Oh, goodies. C'est fun les goodies. Ouais. Moi, ça me donne un cœur plein. Oui. Je pense que j'en avoir de besoin. Parce qu'on a toujours besoin d'amour. Toujours besoin d'amour, surtout quand on se bat contre un gros oiseau. Un gros oiseau. Fait que... Là là. Dans le dernier épisode aussi, on a été interrompre le service des petites lumières de surveillance. Là. Oui. On a fait ça, nous autres. Oui, parce qu'on est des foules excellents, comme ça. Ça vaut quasiment pas la peine que tu t'en occupes. Parce qu'il y avait un petit bruit fatigant. I know! Ce bruit-là. On gossait, hein? Ah! Maudit tiblin. Non, il respawn continuellement. Il n'y a rien à faire avec ça. Bon, la petite ledge. Longer. Hop là! Chance, je peux remonter. Une chance, hein? J'ai, c'est quand même, mais tu t'es pas fait mal. Non, j'suis mais. Ouais. Link est rendu résistant. Link est fait en tout cas. J'aimerais ça avoir la même habit de laine que Link. Oui, c'est de la laine de mithril. Oui. Comme dit-il en ayant son regard louche. Oui. Que se passe-t-il de l'autre côté? Longe. Ok, il y a de la magie là-dedans. Je sais pas si on en aura. Ben oui, toi! Oh, ben bâton. Puis des flèches. Mais on est full flèche. C'est vrai. Éventuellement, il va falloir aller visiter les Fairy Fountains pour qu'ils nous donnent autant de flèches que de bombes. Parce que, écoute, on a notre pas à faire un party de bombes. Parce que nous, maintenant, on fabrique des bombes. De plus en plus de bombes. Non, c'est vrai. Pagliaro, t'es pas rastanné sur Pagliaro depuis la blague. Ok. Non, je suis désolée, je suis toujours en retard. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas peut-être... Je pense que j'ai besoin du... Patente, oui, la masse! Tiens, toi. Alright! On va mettre ça. On rentre là. Rentre. Il y avait de la lumière, c'est bon signe. Oui. Je sais pas quoi qu'il est capable d'ouvrir cette porte-là à shape qu'il y a. Là. Il est minuscule, il y a comme 12 ans. Non, mais faut-tu être courageux à avoir 12 ans puis sauver le monde? Ouais, mais il a l'air énervé aussi, là. Ouais. Mais en effet, il est courageux, c'est pour ça qu'elle a Triforce du courage. Ouais. Grand frère! Ouais. Tu vas bien? Elle voit sa face, il a de l'air avoir le mal de mer un petit peu. Non, c'est parce qu'il essaye de trouver un moyen de la sortir. C'est pour ça qu'elle peut littéralement être assez petite pour passer entre les bords, mais bon. C'est vrai, hein? Oui, c'est. En tout cas, si on commence à questionner la logique, là. Ouais, faut pas. Comme je suis contente! Ah, il y a une porte. Mais barrée! Oh non! Cette porte ne s'ouvre pas! Il manquait juste le... C'est moi ou... Moi, je fais juste la regarder le mouvement de bassin, puis... On prête à danser un tango, là. Oui. Comme d'habitude, j'y sens même réfléchir. Et là là. Les boys, let's go! Nous n'avions pas attiré l'attention de cet énorme oiseau. Oh! T'aurais encore fini dans les airs comme la dernière fois! Épais. Hein? Come on, les boys, là! C'est quoi cette affaire-là? Tends ton dos!
Mais cette épée, où l'as-tu trouvée? Ben, je l'ai pas trouvée. C'est que tu l'as trouvée? Moi qui l'ai pogné. Mais, t'es pas... C'est pas possible. De toute façon, on emmène ces jeunes filles avec nous. Leur père en ville nous donneront une belle récompense. Ariel! Salut! Ariel. Excusez-moi d'écourter une scène aussi touchante, mais... Ah, gâcheuse de party. Il y a un gros oiseau. Je crois que t'as encore quelque chose à faire, hein? Je me trompe? T'inquiète pas pour ta sœur, je la ramène sur votre île avec tous ses morceaux. Habituellement, je demande une rançon pour ce genre de service, mais pour toi, ça va être gratuit. Quand même chill. Quand même chill. Tu sais, des bros. Ouais. Ton grand frère a encore quelque chose à faire. Il a de l'air stone, là. Oh mon dieu! Wow! Ok. Continue. Mais pas revenir. Tu vas l'attendre bien patiemment, même si c'est difficile. Je suis pas capable de défixer, là. Grand frère! Et c'est à toi, ça, là. Je me rappelle plus des voix. Quelque chose de comme Captain Tetra! À la maison, ça fait à peu près 3 semaines qu'on n'a pas joué, là. Captain Tetra, il faut se dépêcher, cet énorme mono va revenir. Oui, c'est quelque chose en même. Je trouve. Gonzo, t'arrives au bon, hein? Emmène-la aussi. Oh! Mais elle! Elle quoi? Tais-toi et obéis. Compris? C'est qui le boss? Moi le boss. Elle. Grand frère! Elle a juste dit ça, hein, depuis ça fait comme genre 3 fois tu dis grand frère! Lee-chan! En tout cas, bref. Link, dépêche-toi de faire ce que t'as à faire et de rentrer, ok? Oui, okay. Je trouvais qu'elle avait une plus une phase de... Okay. C'est vrai, hein? Surtout gros clin d'œil, là. Eh ouais. Ok. D'après moi, elle me trouve cute. Peut-être. Bah! Oh non! Je pense qu'on n'a pas le choix d'aller en haut, hein? Mm. Oh! Oh là 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 là! Il y a de l'eau. Monte! Gros oiseau! Donc là, on grouillait à monter, hein? Ouais! Monte! Ah, bah non, je peux rien faire, ok! Right, go, go, go! Cours, Link! Cours! Je peux-tu tuer l'oiseau de là ou non. Je suis en haut? Non, ça va être en haut. Attention parce qu'il va péter. Il y a des places où est-ce qu'il est. Okay, la mer, ouais! Oh yes, ça je voulais. Come on, come on, come on! Oh oui. Mon dieu, c'était... C'était pas. Shit. Roule, roule! Ça va bien, ça va bien. Continue. Alors, on va juste se voir de rentrer. Ah, oh, je pense que c'est pas... Ouais, je pense que c'est se voir de... God! Enlève-y son masque! Ah! Avec le... Ah oui, j'ai le dépôt. Attends une minute, man! Non? Ben non. La masse! La masse! La masse! C'est une bonne idée, la masse! Come on! C'est un coup de masse à elle! Oh boy, attends une minute! Hey, madame! Oh, ça fait mal, all ça! Alright! Ça, ça a pas fait du bien! Right. Imagine, avec un coup de marteau sur le pouce, là! Et lui, il l'a reçu sur le bec! Ouais! Dans... face! Littéralement dans les dents. Ben, oui. Si les oiseaux avaient des dents, ils auraient eu des dents. Tout à fait. On se comprend. Puis là, ça va fermer, j'imagine. Puis mais d'abord, le rose oiseau va ressortir. Ben oui, hein? Pas cave de main. Fait que mais là, je pense que ça prend la masse. Feeling. Ouais, mais je me rappelle plus comment le voit, celle-là. Ah mon dieu! Tu le tires pendant qu'il est dans les airs. Ouh là là, ça a l'air d'une belle arène, ça! Ah ouais, je pense qu'il va... Ouais, des fois il va sparker, puis il va te faire...
Il va t'envoyer du vent des fois, fait qu'il faut que tu fasses attention pour qu'il te pitche les pics. Ok, c'est beau, vas-y, fais le sans masse. Avec le masque, c'est bon. Right, good. C'est déjà ça que j'ai à faire. Ouais, faut que tu l'attendes. Ah, je suis bon pour ça, attendre le monde. Good, good, good. La mâche! Good! Ça craque, son petit casque craque. En fait, ça va pouper. J'ai essayé de battre les gardiens. Oh, t'es capable, je crois en toi. Ok, faut que je reste quand même assez proche. En fait, faut juste que j'évite quand il va me piquer. Attention, il va te pitcher. Ouais, faut pas que. Ah, bah ben oui, je suis pas là. Arc! Bon temps. Que c'est ça? Ben. Parce qu'il est rendu à l'inventaire. Arrête à mon chat. Il est un gros oiseau. Arrête, pique-toi, pique-moi. Pique-pique. Right! Trois fois, normalement, c'est pas pire. Pas encore! Ben, écoute, c'est un gros boss, ça là. C'est un gros boss! C'est un gros boss. Un gros gardien, faut des gardiens. Boss. Gardien. Allez, pique. Ah. Ah! Cours dans le sens, cours dans le sens, cours. Ça? Ça? Il t'en va, j'imagine, ah. Ça va t'en. Salopard. Et long, là. Come on. Wow! Oh boy! C'est nouveau? Y a-tu foncé dans. Ben oui, il est cap de même. Là. Il a ça. Ben, comme affaibli son pic. Tu sais, une cervelle d'oiseau. Ok, mais c'est long, là, genre. Come on, big! Là, ça arrive une bombe dans la face. C'est pas pire. Même, tu sais, tu peux tirer des flèches. Ah, yes! Bon! Good! Bon! Wow. Là, faut que je shoot le glou-glou. Oui, le glou-glou. Non, c'était petit... évident, là. Il a comme. Le petit. Il a arrêté pendant 8 ans, c'est le glou-glou, oui. Là. Oui. Il est où, là? Il avait juste le. Ah, là, il est là. Un pic. Yay! Yeah! Tu l'as eu! Bye, le glou-glou. Glou-glou. Hey, je pense à ça. Normalement, dans les Zelda, ils mettent le nom du boss avant de le battre. Pas dans celle-là. C'est bizarre. C'est un Zelda bizarre. Ouais. Dans mais ce shading. Mais sympathique. Hey! Avec un cœur en plus. Oh yeah. Oh Colin. Yeah. Je me le prends, là. Ton bon commençait à... Ouais, on avait besoin... Hey, on a presque une rangée. Poppy, poppy, poppy. Poppy, poppy. Donc là, ça va battre Ganon. Ouais. Le jeu est fini, yeah right. Ça fait genre 7 heures qu'on joue même pas. Ça fait combien de temps qu'on joue? Je sais plus. Pas près. 17e épisode, 17 fois 30 minutes. Hey yo man. Est-ce que tu prépares ta plus belle voix de vilain? Est-ce que tu prépares... Ah, ça serait drôle de donner une petite voix aiguë, là. Cela fait bien longtemps, jeune homme! Non. Je te trouve bien téméraire pour pénétrer ici dans ma forteresse. C'est pas pire, ça. Okay. Okay. C'est quoi le deuxième mot? Hardiesse. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, quand tu es hardi, la qualité d'être hardi. Puis t'es hardiquant dans la vie. Quand t'es courageux. Quand t'es Link, t'en vas pas de Ganon. Exactement. T'es hardiesse. Non, c'est comme de la courage, d'être effronté. Ok. C'était une fois de plus, apprenons des choses avec Steph. Je vais le remettre. Ta hardiesse mérite des éloges. Mon nom est Ganondorf. Zoom in terreur. Puis j'ai des favoris rouges. Je suis le maître de cette île entière! Hein, hein! Pas grave.
avec mon petit bouclier, là. N'est-ce pas quand tu as extrait cette épée de son socle? Que les monstres jusqu'alors inertes se sont ranimés? Oui. Comme être film, la moins garde à camp. Sais-tu ce que cela signifie? Cette lame, c'est l'épée qui lutte contre les forces maléfiques! Compte-moi. Tu commences à en mettre un petit peu trop, là. Compte-moi. Mais cette même épée incarnait le sceau maudit qui immobilisait mes monstres. Carlotte! Il est content. Et tu as brisé ce sceau. My power is now complete. Maudit cave! Ouais, mais Link est pas là. Hein? Salut, là. Mais là, on a l'épée de légende. Mais là! Même pas besoin d'un arme, fais juste nous bitch slapper. Tu n'as aucune chance de me vaincre avec cette épée qui a perdu son pouvoir. Retourne dans l'autre monde prévenir tes semblables. C'est long. Ce sera pas long, je pense, à ce que je veux dire. Ok, dis-leur que les jeux sont faits. D'ailleurs. Lâche-moi! T'étouffes. Oui, j'ai en plus. Ben, écoute, moi, quand je acte pour vrai. Pour de vrai. Misérable vermine! Mais là, j'acterai pas pour vrai. Ouais, parce que c'est un peu. Oh! Ma triforce de la force. Résonne. Oui, on va dire. Elle lui dit des mots qui sonnent. Oui. Je t'ai retrouvé, princesse Zelda! Zelda? Que voulez-vous dire? Elle sait même pas qu'elle s'appelle la mère? Non. Ben oui, elle sait. C'est juste qu'elle acte. Non, elle sait pas. Inutile de mentir! Tu ne porterais pas cette triforce si tu n'étais pas Zelda. Je déclenche un tremblement de terre. Hein? Des Edith Piaf! Des Edith Piaf! Hey, c'est Scaf! Ben il vole maintenant! Ah, qu'il est. Oh boy! Oh! Et Valou et son problème intestinal vient d'arriver. Écoute, Valou va se venger pour les insanités qu'il s'est fait faire à sa queue. Ouais. Mais Ganon avait l'air de trouver ça drôle. Ouais, j'imagine que... Ah, Ganon et Ganondorf, c'est le même dude? Ganon, c'est quand il est plus humain. Ok. Merci. Ganondorf, c'est son nom d'humain. C'était Ganon, le deuxième segment. Oui. Je suis pleine de savoir. Oui. Valou, je pense que t'as un petit problème de colonne vertébrale parce que c'est pas. Non. Ne t'inquiète pas, Link. Elle s'est juste évanouie. Lui, je m'en rappelle de ça. Quant à ta sœur, elle a quitté l'île avec les pirates et elle est en sécurité. Tout va bien. Non, je fais toutes les voix dans cette affaire-là. C'était quoi ça? C'était Mufasa, hein? Mufasa, ouais. Vénérable Valou. Non. 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 En tout cas, ma gratitude sera éternelle. Ah oui, c'est ça. Chef, on a fait. Mais non, il l'a dit. C'était... C'est vraiment... J'en suis conscient. Je crois d'ailleurs que le plus important dans les médias est d'éloigner ces jeunes gens de Ganon. Et à lui, dit Ganon. Lui, c'est pas que t'as un rire. C'est quand même plate que Mufasa ne traduise pas Valou. Ouais, hein. Il est bête un peu. Il y a du dictionnaire Valou français, puis. Ouais. Hey, c'est
c'était sexiste. Ouais. Hein? Valou, wow! Valou est pleine de grâce. Ouais. Et d'élégance. Ouais. En tout cas, Nintendo a su comment mettre en valeur Valou. Ouais. Nous devons redescendre dans le monde de, au-dessous des flots. Pourquoi? Ben... Que? Ça doit être safe. Hey, j'ai comme pas le choix d'y aller parce que Krim, il va Écoute, pour moi. Pas le choix, c'est pas le choix. Ah, parce qu'il faut bien qu'elle catch un moment donné. Hein? Que... Aïe, aïe, aïe! Une toune des Respectables, oui. Ça. Aïe, aïe, aïe. Link! Tu es sain et sauf. On a quand même plugué les Respectables. Oui, on plug plein de choses, toi. C'est quand même cool, mais on mettra pas le lien dans sa chaîne YouTube. Non. On va t'épargner ça. Mais où sommes-nous? Et où en es-tu avec ce fameux Ganondorf? C'est qui qui parle? C'est Mufasa. Je sais pas pourquoi il te parle pas quand t'es pas dessus, là, mais... Link, que fais-tu? Dépêche-toi de retourner à la salle où tu vas trouver l'épée de légende. Il peut utiliser cette amulette? Mais qui es-tu au juste? Cette amulette ne permet qu'à Link et moi de communiquer. Excusez? T'as pas le droit de l'utiliser comme ça, là. À moi! Tu es donc Tetra. Viens me retrouver avec Link. Qui parle, Calif? Excusez. Qui non, parle? Mais pour qui il se prend? Ça va, on arrive. Veux-tu bien arrêter de t'énerver? Fait que t'es pas Mufasa que j'en ai, là. Link, qu'est-ce que t'attends? Amène-toi voir cette voix. Là, t'as fait-tu comme dans Final 7 puis on merge dans le même corps, non? Hey, on lâche pas, ouais. Faut juste quand que t'ailles là, là. Retournons. À la salle. J'espère qu'il faut pas que je refasse le petit panneau. Non, je pense que la porte est encore ouverte. Ah ben oui. Oui. Ah ben le Triforce était allumé. Oui. Les tribosses d'or. Oh. Qui est-ce? On n'a aucune idée. Ah, c'est le gars de l'encan, début du jeu. C'était toi? C'est toi qui utilisais mon amulette comme ça? Toi. Ah, ok, mais là, parce qu'à un moment donné, je suis comme épuisé, mon registre fais, de voix. Fais toujours ta voix de Mufasa. Cette amulette est une pierre à potin. Pierre à potin? Elle s'appelle Star System. Oh, comme les Gossip Stones, tu sais, comme dans Ocarina of Time, tu sais, quand t'es regardes avec la Lens of Truth, puis là, t'as des secrets. Oui! C'est des Gossip Stones. D'accord. C'est pierre à potin. Ok. Ok! C'est bon, continuons. Spécial qui se transmet de la famille royale d'Hyrule depuis des générations. C'est moi qui l'ai fabriqué. Tu peux l'utiliser? La pierre à potin de la famille royale? Tu racontes des histoires. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui est d'accord avec l'absence de logique des mondes de Zelda? Tout à fait. Mais vu que c'est lui qui a gossé la pierre à potin, c'est comme le Herbie Moreau du jeu. Poudoum. Oh God! Ok, continue! Oh, on va l'appeler Herbie. Peut-être avez-vous entendu parler de cette histoire. T'avais-tu le poisson de la punition? Ça aurait été le bon Je moment. Je l'ai pas. Tu vas t'en mériter un mané, là. Celle du héros de légende. Celle du héros de légende et du royaume avec qui je suis pas capable. La merde. Vous êtes bien dans ce royaume. Okay. Herbie. Le royaume d'Hyrule. Ah, oh, puis il ressemble même pas. Max, focus! Et j'en suis le roi. Je m'appelle Daphné. Daphné? Daphnès! No one sin Hyrule. Parce qu'on est dans un bon royaume. Daphné Snohansen. C'est toujours toi. D'accord. Link, tu ne reconnais pas donc ma voix. C'est moi, Mufasa. Ben oui. Je suis ben niaiseux, esthétique. T'es bien en rouge. Mais elle l'a même spoilé il y a 2 minutes. Je sais. Ah, que je dis. Ok. C'est bien ça. Je suis le lion rouge.
C'est moi qui t'ai conduit jusqu'ici. Même mon chien est d'accord. Mais tu l'as peut-être pas entendu, mais il vient de s'exclamer. Si tu avais réussi à vaincre Ganondorf, grâce à l'épée de légende, je ne t'aurais sans doute pas révélé mon identité. Mais cela n'a pas d'importance. Écoutez-moi bien, tous les deux. Jadis, Ganon venu dérober les pouvoirs divins pour replonger plus tard le royaume d'Hyrule dans les ténèbres. Je ne réussis pas avec mes seules forces à l'en empêcher. Mon ultime recours fut de prier. Mais quand t'as rien d'autre, tu sais, là. Ouais! Et je remis mon sort dans le sort de mon royaume entre les mains divines. Les dieux entendirent mes prières et ils scellèrent Ganon et le royaume d'Hyrule en tout 10 000 pieds d'eau. C'est une bonne idée, oui. Hein? Une idée. Ce fut alors le déluge. Et les pluies torrentielles firent tomber mon royaume au fond des mers. Il doit être vieux, le gars, là, parce que ça fait un bout, là. Ouais. Mais comme tout le peuple d'Hyrule devait être scellé avec le royaume, le pays faillit disparaître. Sauf la queue de Valou. Oui, parce que la queue de Valou est massive. Avant de sceller le pays et son peuple, les dieux choisissèrent quelques habitants du royaume pour en construire un autre. Oui. Exactement. L'Arche de Noé? Wow! Hey! Petit peu de catholicisme dans The Legend of Zelda? Oui! Qui lui crut? Écoute, oui! Et ils permirent à ses élus de fuir vers les hauteurs. Dans vos veines, à tous les deux coule le sang de ses élus. Mon chien a bien de la peine. Oui! Plusieurs siècles. La mort, Rex? Plusieurs siècles se sont écoulés depuis que vos ancêtres ont fui Hyrule. Si Ganon n'était pas revenu, le royaume ne serait pas sorti de son sommeil éternel. Bon. Viens par ici, Tetra. Hey, t'étais seule à parler pendant un bout. Ah! Ok, ok, je m'approche. Okay. Hey, il y a une sale ceinture de la UFC, le gars. Oui. Wow! C'est encore toi. Le collier que tu portes est un joyau divin qui se transmet dans ta famille depuis des temps anciens. On l'appelle la Triforce de la Sagesse. Mon chien se peut plus d'émerveillement. Mm-hmm. C'est ta mère qui te l'a transmis et qui t'a dit d'en prendre toujours un grand soin. C'est bien ça? La Triforce est la Triforce divine dont nous avons empêché Ganon de s'en emparer. Elle fut confiée par les dieux à tes anciens qui reçurent pour mission de toujours la protéger des forces maléfiques. Tu dois donc te conformer à cette ancienne règle, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai l'autre morceau! Ah mon dieu! Hey, big shot de Triforce. Ah ben maudit. Oh my god. Maudit. Tant de lumière. Shiny. Ah mon dieu. Makeover. À boire à blanchir, hein? Damn, hein? Oui, écoute, ça... T'es une bonne fire? Oui, les princesses, écoute, ça prend un temps de pêche. Je préfère Burger King. Tu es la descendante légitime de la famille royale d'Hyrule. Tu es la princesse Zelda. Zelda? Je suis... Une princesse? Check comment t'es habillée. J'imagine ta surprise. Elle était prévisible. Link, pardon de t'avoir impliqué dans tout ceci. Est-ce que t'es au courant? Mais dès que... Ok, non, c'est toi, je pense. Mais dès que Ganon saura où se trouve la princesse Zelda, il fera tout pour la capturer et mettre ainsi la main sur la force divine. Si Ganon parvient à dérober la Triforce, ce n'est plus seulement le royaume d'Hyrule, mais aussi
le monde dans lequel vous vivez qui seront plongés dans les ténèbres. Link, je vais mettre mes forces à ta disposition. Je crois savoir pourquoi l'épée de légende a perdu tous ses pouvoirs. Pourquoi donc? Retournons ensemble vers le monde au-dessus des flots pour rendre à l'épée de légende le pouvoir de reposer les forces maléfiques. Faisons ça! Yeah! Yeah! Quant à toi, Zelda, récite. Il serait trop dangereux que tu viennes avec nous. Heureusement, Ganon n'a pas encore découvert cet endroit. Reste ici et attends notre retour. On va l'abandonner? Ouais, fait que va te mettre sa Switch dans le milieu de Triforce puis attends. Non. Ah oui, allons-y, Link. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était toi qui parlais. Ah, du rouge à lèvres puis tout, là. Ben ouais, écoute, makeover. Extreme makeover. Crème. Ah ouais, c'était la porte. Ben, j'imagine qu'il est comme un fantôme, sort of. Ben, tu peux pas avoir 1000 ans, là. Link! Laisse-moi pas tout seul, man! Je sais pas comment dire. Laisse-moi pas tout seul, Griff! En fait, c'est vraiment à cause de moi que toi et Ariel avez eu autant de problèmes. Mais c'est pas une raison de m'enfermer en dessous de la mer! Pardonne-moi, mais je vais vraiment te péter à gueule si tu m'enfermes ici! Wait, what? What? Link? Fais bien attention, passe-moi te péter à gueule! Ben moi, on donne. Bien violente, ça. Mais elle a un petit banc. Elle a quand même un petit banc. Elle a même pas de toilette. Ouais, mais... Elle a pas de lit. T'as-tu déjà vu quelqu'un faire ses petits besoins là-dedans? À quoi tu penses qu'ils servent, toutes les pots qui traînent? À ramasser des rupies. Hey, ça fait longtemps, fait qu'on oui, se dit à la prochaine. Oui, ça fait vraiment longtemps. Je suis désolée. On s'excuse de ce long passage d'exposition. C'est ça. Il a fallu que je ressorte mes talents d'art dramatique. Oui, et la prochaine fois, on va tenter de redonner pouvoir à notre épée qui, présentement, manque de tonus un peu. Ça arrive à tout le monde. Un homme sur cinq a du problème avec le tonus de son épée. Première partie de 10 000. Oui. On se termine sur une sort of pub de Viagra. Sort of. À la prochaine, tout le monde. Prenez soin de vous.